Bonjour à tous, c'est Arco08. Aujourd'hui j'ai fait une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve sur Red Dead Redemption 1 pour la découverte qui va continuer par un let's play. Je suis super content de faire ce jeu enfin. Donc on est du coup sur PC. Alors on est sur un émulateur qui est très stable. Alors il y a juste eu deux trois chutes de FPS au début de la cinématique. J'ai déjà regardé la première cinématique pour voir si c'était stable ou pas. Il y a juste eu au début où ça a eu du mal à démarrer, mais une fois que c'était bon, c'était bon. C'est le début de ce que j'allais dire. Mais voilà, du coup, en plus j'avais pas les city, donc là je les ai rajoutés. Donc là on est sur un jeu de 2010. Oui, 2010, on a des graphismes qui sont quand même assez hallucinants pour 2010, je trouve. Donc Rockstar Games présente... Donc là nous sommes à Blackwater. Donc comment ça va se passer également, je vais parler pendant les cinématiques où il n'y a pas de gens qui parlent. Mais dès que ça va parler, je vais passer en silencieux pour l'immersion. Une Rockstar, une production Rockstar San Diego. Donc Rockstar San Diego sont également les créateurs de Rage, le moteur maison de Rockstar Games. L'un des moteurs, le moteur le plus poussé techniquement au monde. Ça se voit, je pense, visuellement avec Red Dead Redemption et GTA qui datent de 2013 et 2018 et qui, pour GTA 5, concurrence beaucoup de jeux d'aujourd'hui. Et Red Dead Redemption 2 écrase encore les jeux d'aujourd'hui, sauf certains. Donc... Donc voilà, on va voir aussi tous les directeurs artistiques et tout ça. On va voir Dan Houser, Sam Houser... Leslie Benzies qui était encore là à cette époque. Je trouve quand même que le personnage... Well, I for one am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land and I... Alors je vais juste faire une petite pause par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Je vais rappeler le contexte de Red Dead Redemption. Donc Red Dead Redemption, on arrive à la fin des hors-la-loi. Donc on est en train de... Hors-la-loi, John Marston est un hors-la-loi. On est en train en fait les terres sont en train de se faire civiliser. Et je pense que du coup on va avoir une intro basée là-dessus pour un peu nous rappeler un peu comme Red Dead Redemption 2. Mais par contre c'était beaucoup plus sur le côté émotion. Red Dead Redemption 2 était visiblement beaucoup plus sur le côté émotion. He'll be looking down on us, please, of how we help the natives. Yes, they've lost their land. But they've gained access to heaven. Je vous montrerai un peu également la situation. Do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. On est vraiment sur quand même un niveau graphique très poussé, je trouve, pour 2010. Not only do people now have motor cars, father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Ouais, c'est quand même... En fait, je pensais pas déjà me prendre une mini claque en sachant que c'était en 2010. Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family... Without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything.
There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo, donc Armadillo qui est pas très loin de Blackwater. C'est entre Blackwater et Tumbleweed, pour ceux qui n'ont pas joué à Red Dead Redemption 2 ou Red Dead Redemption 1. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que si vous n'avez pas fait Red Dead Redemption 2, je vous conseille de ne pas regarder ce replay. Je vais pas hésiter à spoiler pendant une seconde, parce que n'oubliez pas que Red Dead Redemption se passe après Red Dead Redemption 2. Donc je n'hésiterai pas à spoil énormément. Oh là, je voulais pas faire ça. Oh, par contre, ouais, les FPS, il va falloir que j'optimise ça pour la prochaine fois. C'est vraiment pas top. Hop. Ouais, faut vraiment que j'optimise parce que là... Oh, comment il s'appelait? L'oncle. John Marston. Sometimes. Ah non, c'est pas l'oncle. I'm Jake. Oh, quoi que. Non, c'est pas l'oncle. Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Au début, j'ai cru que c'était l'oncle, mais pas du tout en fait. Ouais, bon, oula. Est-ce que j'ai déjà des armes? Oui, j'ai déjà des armes. Le menu, ah les points sont le... Ah là 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 là. Ça j'ai pas aimé. C'est pas du tout comme Red Dead Redemption 2. Well, here, let's mount up and hit the trail. Montez sur votre cheval. Ah, j'ai déjà un cheval, ça c'est cool. Yeah. Take it easy until we're out of town. Ain't no. Bon, les touches sont les mêmes que Red Dead Redemption 2 pour les chevaux, ça va. Come on, easy up now. Whoa. Est-ce que je peux toujours... Oh là, c'est exactement les mêmes touches que Red Dead Redemption 2. Il y a juste la roulette d'armes qui a changé, mais après ça je vais m'y faire. Pour la visée c'est la même chose, ouais. Ouais, ça c'est exactement pareil que... Pourquoi je peux plus poser mon arme par contre? Ouais, c'est exactement pareil que Red Dead Redemption, je peux me stabiliser à la vitesse de l'autre gueule, là. Et ça, c'est cool. C'est un très bon point positif. Et je trouve très bien le fait que dans Red Dead Redemption 2, ça n'a pas changé par rapport au 1. Et j'espère que dans Red Dead Redemption 3, ça ne changera pas trop par rapport au 1. Est-ce que j'ai le système de sacoche aussi et tout? Ah oui, par contre... Ça ne tourne pas tout seul par rapport au 2. Donc le 2 ça a quand même été amélioré, même si c'est le même touche, mais un amélioré. Well, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram. Est-ce que j'ai déjà la map? C'est vrai qu'il y a le Mexique dans Red Dead Redemption 1. Tiens, y'a pas Tumbleweed. Ah oui, d'accord, en fait non, ils ont pas mis les villes. Enfin, ils ont pas mis le nom des villes. Regardez, là c'est Blackwater. Là, c'est du coup... Ah, y'a pas... Ouais, y'a pas... C'est beaucoup plus petit que... Ouais, par contre, les chevaux courent plutôt pas mal, mais c'est quand même plus robotique. C'est quand même pas aussi réaliste. On voit quand même que... Là, c'est un petit peu... Et là, regardez la luminosité. Non, mais sérieux. There's things you're better off not knowing.
les ombres, tout ça. En fait, je trouve quand même le jeu assez incroyable. Par contre, en fait, je trouve pas que ça lag, c'est juste du 30 FPS et je suis pas habitué aux 30 FPS. You don't look much like no Blackwater fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those high-fluting bitches. Je lis en même temps parce que je sens on va avoir des refs à Arthur. Blackwater ain't much of a city. More of a town with delusions, but no, me neither. En fait, je le trouve plus détaillé que beaucoup de jeux. En fait, je le trouve. Red Dead Redemption, je le trouve presque plus beau que GTA V sur certains points. C'est bizarre, hein. Rien que la végétation, il y en a plus que sur l'initiale de GTA V. Bon, je parle pas de la version Next Gen après la PS4. Hein. Mais ouais, c'est bizarre en fait. Après, de ce que je sais, c'est que le rage de Red Dead Redemption a toujours été plus technique que celui des GTA 5, des GTA, pardon. Du coup, ça y joue. Bon, ça va peut-être changer pour GTA 6, du coup, vu que tout le monde, ça a changé. Fort Mercer, oh là là. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rolled in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Bon, je fais la première mission et on s'arrêtera là. Hein. C'est vraiment comme d'habitude, le même format de let's play et tout ça. Come on. En fait, c'est vraiment en ville que ça lag. Enfin, en ville. Le détail quand même sur le perso est assez poussé, je trouve. Bill, 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 I've come for you. Bill Williamson, come out here right now. Bill, il est pas avec Dutch Bill? Attends, je sais plus. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try si, to save avec you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? Je pense que le nombre de références à avant va être énorme. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Oh. Poor John. Quoi? Quoi? Je comprends pas là, c'est quoi ce délire?
C'est pas censé être le perso principal du jeune. Il est... Nouveaux amis, vieux sont... Je comprends pas. Ah, il a envie, ok. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr... Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss. McFarlane. Eh, bien dans le 1, elle. Enfin, dans le 2. You may be right, Miss McFarlane. Pas en tant que perso, mais on l'a déjà vu. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. You seen my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna... Take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time... Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Bon, j'ai vu qu'il y avait eu une sauvegarde avant la cinématique, donc on va s'arrêter là. Donc voilà, McFarlane Ranch, donc visiblement ça va être notre base. Je sais pas s'il y a encore Abigail et tout ça. Donc on va voir. Donc moi je vais faire une petite sauvegarde, donc je sais pas comment ça fonctionne. Charger. J'aimerais bien sauvegarder, s'il vous plaît. Comment ça marche? Nouvelle partie, classement. Multijoueur, sauvegarde. Il n'y a pas sauvegardé? De toute façon, j'ai vu que ça s'était sauvegardé automatiquement, donc c'est le principal. Alors, j'ai très hâte de continuer, je vous avoue. Là, je vais aller dormir parce qu'il est assez tard. J'ai envie de continuer le jeu, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc, McFarlane Ranch, on est quand même beaucoup présent dans le 2. Par contre, c'est moins avancé dans le 2, il me semble. Je crois qu'on est un peu moins de bâtiments. Après, il ne faut pas oublier que ça s'est passé largement après. Hein, et ils l'ont très bien joué là-dessus, Rockstar. Je sens que je vais vraiment aimer le 2, mais que ça va être beaucoup moins sérieux dans le terme émotion. Mais c'est pas pour autant que je vais détester, au contraire. J'ai vraiment hâte de voir. Bon voilà, du coup, c'est à voir cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis c'est tout. Allez, salut!